Bonjour, aujourd'hui j'ai vu il y a une nouveauté sur un TPE qui est très très intéressante pour nous. Pour nous qui sommes membres du club Affiliation Facile. Le club Affiliation Facile, quand on est membre, on a les commissions partagées. Ça, c'est quelque chose. Donc le partage de commissions à TPE, c'est unique au club Affiliation Facile qui est parmois.com. Donc il faut adhérer et ensuite on met son pseudo TPE dans le système, dans le club, on est membre du club et là on reçoit des commissions partagées. Mais depuis le début, donc depuis janvier 2017, ce système fonctionne pour tous les membres du club. Le système, je l'ai expliqué en vidéo avec celle-là, une vidéo en dessous, donc deux vidéos avec le texte qu'il y a là-dessus sur la page. Donc on peut dérouler et lire ce texte, ça explique. Et ça montre beaucoup de chiffres, voilà. Mais il y a très peu de personnes qui prennent le temps de comprendre ce système. Et après tout, c'est normal parce que, premièrement, ce système n'existe nulle part ailleurs, donc il n'y a rien pour le comparer, pour le comprendre facilement. Et deuxièmement, pourquoi le comprendre, puisque ça ne change rien au système, qu'on le comprenne ou pas, du moment qu'on est membre du club, on bénéficie de ce système. Le système, il fonctionne tous les jours, à chaque minute, à chaque fois qu'il y a un visiteur qui clique sur un lien pour aller vers un TPE. Avant d'envoyer sur un TPE, il y a le système de partage de commission qui se fait tout le temps. Et donc en temps réel, et dès qu'on devient membre du club, son pseudo TPE commence à être dans ce système, et donc on commence à recevoir des commissions. Le problème dans tout ça, c'est que tous ces chiffres-là, c'est uniquement des commissions potentielles. C'est ça que les gens, la plupart des gens qui me posent des questions ne comprennent pas, c'est que tous ces chiffres, ce n'est pas des commissions à TPE. J'en reçois beaucoup qui me disent, ah oui, mais j'ai 500 commissions indiquées et dans un TPE, il n'y en a pas, par exemple. Ou moins de commissions, parce qu'il y a les détails aussi. Donc, tel jour, j'ai telle commission à telle heure et elle n'est pas dans un TPE. Comment ça se fait? Parce que je n'ai pas le moyen, mon site, là, en programmation, je n'ai pas le moyen de savoir quelle commission potentielle se transforme en vente et donc se transforme en commission un TPE. Là, tous ces chiffres. 708, le pseudo Sonata a reçu 708 commissions potentielles. Mais je ne sais pas 708 commissions d'un TPE. C'est 708 fois il y a eu la possibilité d'avoir une commission parce que c'était son pseudo un TPE au moment de cette visite. Voilà. Donc on ne peut pas connaître les ventes des gens. Sinon, si je pouvais le savoir, je l'aurais marqué sur cette page. J'aurais marqué ben, tel membre a touché 3 commissions ETPE pour un total de temps. Bien sûr, je l'aurais marqué. C'est ce qui parle aux gens. Les gens me demandent souvent, mais si je deviens membre de ton club, combien je peux espérer gagner par mois? Moi, je dis, j'en sais rien. Zéro ou X. Je ne sais pas combien. Ça dépend des commissions ETPE que tu toucheras au final. Est-ce que tu vas en toucher une? Peut-être pas. Parce que le partage de commissions, il se fait sur les commissions potentielles. C'est au hasard parmi les membres. Tout le temps, tout le monde reçoit, voilà, plus ou moins, mais en gros, c'est réparti équitablement des commissions potentielles. Mais je ne sais pas lesquelles se transforment. Donc peut-être qu'un membre va recevoir 2-3 commissions potentielles qui vont se transformer en vente un TPE. Et je ne sais pas. Donc si je le savais, je pourrais répartir les commissions un TPE entre les membres. Mais là, je ne peux pas. Donc voilà, c'est pour expliquer ça. Et dans un TPE, maintenant, j'ai vu, là, c'est tout récent, quand on est sur la page d'accueil, on a en dessous, ce mois-ci, vous avez fait la promotion de X produits différents. Et il y a un lien. Donc quand on va sur ce lien, cette page, on peut voir un graphique et en dessous, on voit chaque produit où il y a eu notre pseudo. Donc ça, maintenant, cette page qui est très récente, je vais la mettre sur la page partage pour dire aux gens, si vous voulez voir vos commissions potentielles qui ont été envoyées par le club, vous pouvez les voir là-dedans parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits dont vous avez fait la promotion sans rien faire, juste en étant membre du club grâce au partage de commissions. Après, voilà, donc ça c'est la preuve qu'il fonctionne. Parce que tous ces produits, j'en fais pas la promotion moi, directement. Et on voit qu'il y a nombre d'affichage 1, 2, 1, 2. Alors si je fais la promotion d'un produit, je vais essayer d'envoyer à beaucoup de gens. Donc il n'y aura pas ces petits chiffres. Ça c'est vraiment parce que c'est diffusé. Alors après, on voit nombre de ventes, 0. Donc je n'ai gagné aucune commission TPE sur ça. Mais une fois, il y a une visite sur ce produit. Voilà. Donc cette page permet de voir les commissions potentielles du club Affiliation Facile. Et ça c'est très bien, c'est pour ça que je vais le mettre sur la page, parce qu'avant ça n'existait pas, et donc les gens pouvaient penser que tous ces chiffres que j'affiche, c'est n'importe quoi. J'affiche des chiffres au hasard pour faire croire qu'il se passe quelque chose, mais en fait il ne se passe rien.
Et eux ne voient pas les commissions ATP dans leur compte, donc ils ne voient rien venir, donc ils se disent c'est du pipeau. Mais là, ils pourront voir avec cette page qu'il y a vraiment des visites. Et d'ailleurs, cette page, elle le dit, vous n'avez pas forcément fait volontairement la promotion de tous ces produits. Ce sont les produits qui ont été vus par les prospects ayant votre cookie d'affilié enregistré sur leur PC. Parce que lorsqu'il y a un partage de commission, le pseudo du membre est mis dans le lien. Donc le cookie affilié un TPE est placé sur le navigateur du visiteur. Et là, donc c'est le cookie de ce membre. Si le visiteur ensuite va ailleurs, va sur une autre page de vente, et il a ce cookie, ça sera enregistré aussi. S'il achète ce produit, ça sera le visiteur qui touchera la commission. Alors même que cette deuxième visite n'a pas été envoyée par le club, mais le cookie affilié du membre a été posé sur le navigateur du visiteur. Donc il dit, vous n'avez pas forcément fait volontairement la promotion de tous ces produits. Ce sont les produits qui ont été vus par les prospects ayant votre cookie d'affilié enregistré sur leur PC, en fait sur leur navigateur. Vous touchez bien sûr une commission, quel que soit le produit acheté, même si vous n'en avez pas fait directement la promotion. Ces statistiques ne concernent que les promotions que vous faites en tant qu'affilié pour les produits du catalogue, mais pas pour vos propres produits en tant que vendeur. Bon, ça, c'est pas très important. Voilà, donc avec cette page, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que maintenant cette page existe et on peut voir. Donc l'intérêt de cette page, c'est qu'en fait, normalement, il n'y a pas autant de produits quand pour des affiliés qui ne sont pas membres du club Affiliation Facile, ils vont avoir simplement les produits pour lesquels ils ont fait la promotion la plupart du temps. Et donc il y aura des ventes et après ils montrent le taux de transformation. Donc pour moi, vu qu'il y en a beaucoup, la plupart, il n'y a pas de vente. Et quand il y a des ventes, voilà, là par exemple, il y a une vente, donc 25%, parce qu'il y a eu 4 affichages. Donc c'est Stop Hypertension du docteur médecin F. Jacquier. J'ai jamais entendu parler de ce produit. J'en ai vendu un. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai touché une commission pour ce produit. Donc 25% de conversion. Ça permet sur la page, ça permet à un TPE de marquer, voilà, ce mois-ci, vous avez fait la promotion de au moins 1144 produits différents. Vous avez généré 11 ventes à l'aide de 2356 visites des pages de vente, soit un taux de transformation global de 0,47%. Donc moi, mon taux de transformation est très bas. Bien sûr, si on fait l'affiliation au TPE normalement, sans être membre du club, son taux de transformation va être plus haut parce qu'on envoie les gens directement vers des produits qu'on a sélectionnés, etc. C'est tout. Bye bye. Best deals. System IO.